je m'appelle Cathy Ireland. Je veux vous remercier de m'avoir permis de faire de ma première cassette vidéo Total Fitness une telle réussite. Je vous en suis reconnaissante et j'apprécie la confiance que vous m'avez portée. Ce programme fait suite à Total Fitness et Body Rich et c'est le plus récent d'une série d'enregistrements étudiés pour vous apporter la forme, la santé et de plus grandes capacités. Si vous avez travaillé sur ma première vidéo, vous avez vu les résultats que vous pouviez obtenir en brûlant les graisses par l'aérobic et vous savez comment de bons exercices peuvent agir sur vos muscles afin de vous permettre de vous sentir fort et d'avoir confiance en vous. L'exercice physique doit avoir une place importante tout au long de votre vie pour garder la forme et la santé. Parce que vos journées sont actives et bousculées, vous devez dans un minimum de temps faire des tas de progrès avec des exercices de routine. En tant que professionnelle du fitness, je me soucie de trouver pour vous de nouvelles et meilleures techniques d'exercice, plaisantes et efficaces. J'ai donc cherché quelqu'un d'expert en ce domaine. Il s'appelle Jamie Brankus et ensemble, nous avons élaboré un programme sans danger, rapide et efficace. Nous l'appelons Body Spécifique parce qu'avant tout, il cible des endroits spécifiques où beaucoup d'entre nous ont besoin d'être aidés. Tout ce dont vous avez besoin est une chaise, un tapis de sol ou une serviette éponge et 12 minutes pour les abdominaux, 12 minutes pour les fessiers et 12 minutes pour les cuisses. Ce travail s'effectuera par des séries d'exercices isolant chaque groupe de muscles et nous travaillerons ces muscles jusqu'au point de déclencher une amélioration sensible. Notre programme est étudié pour optimiser l'efficacité de chacun selon les mouvements que nous vous proposons. Vous devrez suivre ce programme au moins 3 fois par semaine et il ne vous prendra que 12 minutes pour chacune des 3 parties du corps. Vous aurez un ventre dur et plat, une taille fine, les fesses fermes dont vous rêviez et des cuisses plus élancées, et ça en seulement 4 à 6 semaines. Nous vous recommandons de bien vous échauffer et de faire les exercices entièrement pour obtenir de meilleurs résultats. Mais si vous ne trouvez pas 45 minutes dans une journée à accorder à tout le programme, ne négligez pas votre forme par manque de temps. Vous pouvez faire vos abdos le matin pendant que le café se prépare, travailler vos fessiers pendant la sieste de votre enfant et avant d'aller dormir, accorder à ce précieux corps 12 minutes d'attention pour muscler vos cuisses. Ce n'est pas grave si vous dérogez à l'objectif prévu, mais il est important de travailler au moins 3 fois par semaine, car plus vous suivrez ce programme dans la semaine, plus vite vous aurez les meilleurs résultats et mieux vous vous sentirez. N'oubliez pas, avant de commencer n'importe quel programme, surtout allez consulter votre médecin. Au tout début, je vous ai parlé de santé. Je pense que beaucoup d'entre nous ont essayé les régimes et ont cru que c'était la solution. Mais nous savons que c'est faux. Une bonne alimentation saine est la clé pour une bonne santé et maintenir la forme. Les régimes font des ravages dans votre métabolisme et les privations affectent votre psychisme. Nous devons juste changer nos habitudes alimentaires, connaître les aliments pauvres en graisse et riches en valeurs nutritionnelles, laisser de côté les basses calories, sauf si vous avez un traitement spécial. Faites que chaque calorie compte pour vous. Et j'ai une grande nouvelle, je sais comment faire pour que ces calories comptent à vos yeux. Pour 500 g de muscles, on considère que nous brûlons environ 30 à 50 calories au repos. Comparé à seulement 3 calories brûlées pour la même quantité de graisse. C'est une raison de plus pour adopter Body Spécifique. Parce que nos travaux sont essentiellement étudiés pour changer la structure de votre corps en augmentant votre masse musculaire. Chaque exercice se décompose en séries de 45 secondes. On ne fera aucune interruption, ce sera une course contre le temps. Pour les débutants, vous allez peut-être trouver qu'il est trop dur de tout faire en 45 secondes. Ce n'est pas grave, adoptez un rythme personnel jusqu'à ce que vous réussissiez. Si vous êtes plus avancé, ajoutez de la résistance au mouvement en travaillant avec des poids. Vous pourrez toujours augmenter les poids au fur et à mesure de vos progrès. J'ai la chance de travailler avec d'excellents amis et je souhaiterais vous les présenter. Voici André. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Ouais, t'as travaillé ? Je suis contente que tu sois là. Et voici Mitch. Salut Cathy. Salut Mitch, merci d'être venu. C'est un plaisir. Viens Stéphanie. Salut. Salut Stéphanie. Et quelqu'un qui m'est très cher, je vous présente ma maman, Barbara. Bonjour maman. Ok, nous allons commencer notre entraînement, alors remuez-vous et bonne chance. Échauffement. Nous allons commencer par 4 minutes d'échauffement. Allez, on y va, marchez sur place, les genoux bien haut, les bras bougent aussi. Il est important de bien vous échauffer avant chaque programme d'exercice. Vous éviterez douleurs et blessures. Et aucune perte de temps puisque l'échauffement permet d'allonger les muscles. Maintenant, ajoutons un mouvement. Allez, vos bras se croisent, inspirez. Étirement des bras au-dessus de la tête. Et expirez quand vous rebaissez les bras. Il faut s'oxygéner. Oui, ça c'est vrai.
Voici, nous allons maintenant introduire une troisième chose. Vous levez les genoux, prêt ? 1, 2, 3, hop ! Bien ! Placez vos mains sur votre jambe. Montez bien le genou à la hauteur de la taille. On monte des marches, quoi. C'est exactement ça. Maintenant, on monte toujours les marches, mais on amène les coudes sur les genoux. Tirez fort. Ça aide à vous redresser. On va atteindre les étoiles. Il faut bien échauffer les muscles. Attention, vous allez ramer et plier le genou. Et poussez. Étirez bien devant avec vos bras. Vous devez sentir vos mollets. Les talons doivent presque toucher les fesses. Ça va, Mitch ? Oui. Allez-y, étirez. Bien, on marche sur place. Le genou bien levé. Soufflez. Quel échauffement. Ça, c'est pour les amateurs de boxe. Allez, frappez. C'est ça, jambes sur le côté où vous frappez. Pointe de pied tendue. Ah, je l'adore, celui-là. Ah oui, on le sait. Oui, extériorisez votre agressivité. Allez, vos bras vont jusqu'au ciel. Étirez. Allez, cherchez loin avec les bras. Étirez, étirez. Attention, on reste là-haut, on tient. Vous devez sentir que ça tire dans les obliques. Ah oui, ça tire. Moi aussi. Allez, l'autre côté. Faites-le plein d'énergie pendant l'échauffement. Maintenant, jambes bien tendues sur le côté et mains placées sur la jambe pliée. Sentez l'étirement. Attention, on pivote, genou arrière légèrement plié, dos bien droit. Oh, ça tire partout. Oui, c'est ce qu'il faut. Assurez-vous que le genou avant ne dépasse pas le pied. Parfait. Appuyez-vous sur la jambe arrière. La pointe du pied vers le haut, maintenez bien votre dos droit, on étire le tendon du mollet. Vous sentez ? Oui. Oui. De l'autre côté, on étire toujours en douceur. Allez, on pivote, augmentez la flexion. Bien, tenez votre dos bien droit. Appuyez-vous sur la jambe arrière et poussez bien sur le talon. Ça vous aidera à verrouiller le dos. Les orteils levés, étirez le tendon du mollet. Parfait. Tenez la pose. Revenez au centre, balancez les bras et inspirez. Étirez-vous loin. Voilà, on a fini l'échauffement, maintenant on peut travailler. Les abdominaux. Nous allons maintenant travailler les abdos. Vous avez besoin d'être confortablement installé pour cet exercice. Nous allons démarrer le chronomètre et commencer nos séries de 45 secondes d'exercice. Mettez vos mains derrière la tête. On lève, on pose. On lève, on pose. On fait des mouvements lents. Assurez-vous que votre dos est bien plaqué au sol. Serrez les fesses, c'est le ventre qui travaille. Et vous sentez votre tête peser une tonne, alors vous essayez de la maintenir. Ce sont vos abdominaux qui travaillent, pas votre tête. Alors soutenez votre tête avec les mains. Ne poussez pas votre tête avec les mains. Non, la tête me pèse une tonne. Tu n'as pas assez d'abdos, André. Va, on est deux. Ça fait plaisir. Levez et petit mouvement. Tenez et durcissez ses abdominaux. On doit tenir combien de temps ? On tient la pose pendant 10 secondes. Amenez les jambes sur le côté et continuez à lever. On fait travailler les obliques. C'est le côté de votre taille, l'endroit prédestiné des poignées d'amour. Ça, je connais bien. C'est un excellent exercice pour affiner votre taille.
Expirez quand vous arrivez en haut et inspirez en descendant. Ça fait mal. Nous, on souffre en silence. Ça veut dire que ça travaille. Comment ça va? Parfait. Ça va. Respirez. Bien, de l'autre côté. Et levez. Vous pouvez mettre votre main sur le ventre, vous sentirez votre muscle travailler. Vous sentez? Oui. Attention, c'est le plafond que vous regardez. Ne rentrez pas le menton, ne faites surtout pas ça. Au contraire, levez-le. Pas trop non plus. Imaginez que vous avez une orange entre le menton et la poitrine. Je t'entends plus, Mitch. Je suis là, mais tout dépend combien de fois on doit le faire encore. On ne compte pas les mouvements, on compte les secondes. Je vous rappelle que si vous êtes débutant, allez à votre propre rythme. Vous verrez toujours des résultats. Mais soyez assidus. Avec l'habitude, on doit y arriver. Bien, revenez jambes au centre, les mains toujours derrière la tête, et on va lever la jambe droite doucement, en même temps que la tête. Levez, baissez la tête. Je vous conseille de le faire tous les jours. Les abdominaux sont des muscles qui ont besoin d'être travaillés souvent. Alors faites-le quotidiennement. Tous ces exercices ont été étudiés pour être rapides, amusants et efficaces. Alors il faut souffrir pour être belle. Non, on change le dicton, on s'amuse et on se sent mieux dans sa peau. Petit mouvement. Allez, l'autre côté. Levez la jambe, mais pas trop. Il suffit juste de monter la fesse à 5 cm du sol. Et on fait ça tous les jours, c'est ça? Il ne faut pas que ça devienne de l'acharnement. Vous pouvez faire ces exercices tous les jours si vous en avez envie. Mais je recommande 3 fois par semaine pour obtenir de bons résultats. Respirez bien. Sentez ces muscles travailler. Allez, placez vos mains sous les fesses et on monte les deux genoux à la poitrine et on lève. On lève, mais toujours de petits mouvements. Vous ne devez pas balancer ou aller trop vite. Amenez doucement les genoux à la poitrine et décollez très peu les fesses. Maintenant, nous allons travailler sur la zone basse de nos abdominaux. C'est une zone qui parfois est, disons, un petit peu flasque. Beaucoup d'entre nous, surtout celles qui ont eu des enfants, savent de quoi je veux parler. Après la naissance de mon fils, ça a été pour moi vraiment difficile. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'il y ait des exercices de cette zone délicate dans ce programme. C'est dur pour moi. Je pense que pour les buveurs d'alcool, ça marche aussi. Tu penses aux buveurs de bière? Oui, eux aussi. Bien, on place les mains derrière le cou, puis on remonte en 3 fois. Bien, serrez bien ces abdominaux, faites-les travailler. De tous les muscles, ce sont les plus importants à travailler. Nos abdominaux sont notre centre de gravité. C'est pour cela qu'ils sont importants. Ils nous ramènent dans l'alignement naturel de notre corps. Ils améliorent notre position, mettent en valeur notre silhouette. Et une bonne position ramène nos organes internes à la bonne place pour un fonctionnement correct. Ça nous aide donc à être en bonne santé. Bien, et maintenant amenez le coude droit vers votre genou gauche. Votre bras doit être dans l'alignement de votre tête. Et l'épaule doit être devant le genou. C'est la taille qui fait une rotation. Je vous rappelle que nous travaillons les obliques. Faites bien cette rotation. Vous pouvez sentir la contraction en mettant votre main sur le côté. Vous sentez? Ça se contracte à chaque fois. Ça va? Oui. Oh, ouais, ça va. On sent que ça travaille. Oui. Les abdos, ça fait toujours souffrir. J'avais oublié. Ok. Allez, on y va pour l'autre côté. Levez. Et l'autre main reste à plat, c'est ça? Levez. Oui, l'autre main est sur le côté.
Elle sert de support. Levez. Vous savez, si vous êtes comme moi, si vous travaillez beaucoup, vous voulez être en forme, être performant tout au long de la journée. Mais le temps vous manque, alors j'ai pensé à des exercices courts et efficaces permettant d'avoir des résultats rapides. 12 minutes par jour et on a des abdos magnifiques. C'est vrai que 12 minutes, c'est pas grand-chose. Bien, les mains sous les fessiers, on monte la jambe droite vers la poitrine. Faites de petits mouvements. Les fesses ne montent pas trop, toujours à environ 5 cm du sol. Gardez la jambe pliée, ne la tendez pas. Le mouvement est lent et doux. Contractez les muscles. Allez, l'autre jambe, on lève doucement. J'attends toujours le truc amusant. Le meilleur reste à venir. La partie la plus amusante, c'est quand vous arrivez à la fin. Vous vous sentez mieux et vous avez plus d'endurance. Respirez. On doit respirer. Oui, et bien respirer. C'est primordial, ne jamais retenir sa respiration lors d'un exercice. Il est important de continuer à respirer. Expirez quand vous ramenez le genou. Ça rend le mouvement plus facile. Exactement. Là, enfin. Ben voilà, tu vas adorer maintenant. Ok, on va maintenant travailler les croisés. Mettez les mains derrière la nuque et croisez les jambes. Levez, levez. Tu nous en veux, Cathy? C'est un exercice qui fait travailler toute la ceinture abdominale. Pour travailler, ça travaille. Vous vous débrouillez tous très bien. Allez, on a bientôt fini. Parfait. Et maintenant, nous allons tirer sur le côté. Placez la main droite derrière la tête, main gauche allongée le long du corps pour aller chercher le talon. Étirez. Étirez. La paume de la main doit juste effleurer le sol. Ne relevez pas trop la tête et assurez-vous que la position de votre corps est correcte. C'est aussi pour les poignées d'amour. Oui, c'est une autre façon de travailler cette zone. Allez, de l'autre côté, étirez, étirez. Respirez bien. Je déteste les abdos. Pour visualiser votre travail, toujours la même technique. Mettez la main sur le muscle. Les abdos. Ça travaille, hein? Allez, contractez ces muscles. C'est bon, les mains viennent sous les fessiers. Croisez les jambes et remontez-les. Nous allons faire des petits levés. Montez par petits mouvements. Ne vous précipitez pas. Vous ne devez pas balancer, levez juste un peu. C'est dur. Oui, c'est vrai, il n'est pas facile. Mais c'est mon préféré, j'adore les exercices durs. Comme tu dis, c'est bon. Elle garde en plus le meilleur pour la fin. Travaillez toute cette ceinture abdominale. Durcissez ces muscles. Allez, levez, respirez.
respire, tu parles, c'est facile pour toi. Ok, nous allons poser les pieds et nous allons finir par quelques étirements. Et si vous voulez, vous pouvez garder les mains derrière la nuque comme support. Vous ne devez ressentir aucune tension dans le cou. Allez, durcissez bien ces abdos, comprimez-les. Comme une éponge que vous voulez essorer. Contractez. Respirez. Allez, pousse. Durcissez-les. Bientôt fini, courage. Et vous vous allongez, genoux vers la poitrine. Étirez, respirez profondément. Très bien, vous avez été parfait. C'est fini pour les abdos. Alors, prêt pour travailler les fessiers? Les fessiers. Bien, comme tout à l'heure, nous allons démarrer une série d'exercices de 12 minutes. Mais je vous rappelle que vous devez aller à votre propre rythme. Plus tard, vous aurez plus d'endurance. Pour ces exercices, vous aurez besoin d'une chaise et d'une serviette, comme pour les exercices précédents. Allez, commençons. Installez-vous dans une position agréable, bras tendus devant vous. On descend et on remonte. Fléchissez, veillez à ce que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Et fléchissez. Et ça repart. Mais on assure. Respirez bien. T'as raison de nous le rappeler de temps en temps. Si tu veux pas qu'on s'étouffe. Comprimez vos muscles. Vous sentez que ça chauffe? On le sent bien. Allez, petite impulsion pendant 10 secondes. Durcissez ces muscles. Durcissez. Encore. Attention, on va pivoter sur le côté. Le dos est bien droit et on descend. Pour cet exercice, vous pouvez vous aider d'une chaise. Le genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. Sinon, élargissez la position. D'accord? C'est les fessiers ou l'équilibre qu'on travaille? Disons qu'on travaille les deux, mais pour l'instant, on agit plutôt sur le muscle du devant de la cuisse et sur celui du mollet. On va être superbe après ça. Surtout toi, André. Vous allez tous avoir une silhouette de rêve. Allez, petite impulsion pendant 10 secondes. Contractez les fessiers, comprimez les muscles si vous voulez avoir des fesses et des jambes splendides. Je vis les 10 secondes les plus longues de ma vie. D'accord, de l'autre côté. Bien, on descend et on remonte. Comme les fois précédentes, attention aux genoux, c'est très important. Sinon, élargissez la position si c'est nécessaire. Parfait. Les épaules sont en arrière et les abdos contractés. Faut penser à tout ça à la fois. Surtout, tout travailler à la fois. J'ai encore 10 minutes pour savoir ce que je lui ai fait. Oui, bah moi aussi. Tais-toi et travaille. Petites impulsions. Oh non. Contractez. C'est celui qu'elle préfère, je suis sûr. Contractez. Ça a l'air d'être facile pour toi, André. Oh, pas ça, je souffre de l'intérieur. Très bien. Placez-vous derrière la chaise, les deux mains sur le dossier. Pliez la jambe droite, le pied est flex et poussez vers l'arrière. Exercez de petites poussées. Pour les plus avancés, vous pouvez essayer avec des poids aux chevilles. Le mouvement restera doux. Assurez-vous que la jambe arrière soit sur le même plan que l'autre. Tenez votre dos bien droit, ne cambrez pas surtout. Les épaules sont droites. Poussez avec cette jambe. Et le genou gauche est détendu? Exactement. Le genou gauche doit rester détendu. Ça aide à soutenir votre dos. Tout à l'heure, je ramais. Maintenant, je patine. Je patine. Tu patines, mais t'avances pas. Oui, ça travaille. Contractez, appuyez sur l'autre jambe. Pour ceux qui utilisent des poids, n'en prenez pas de trop lourds. Et pour les débutants, allez toujours à votre rythme, ne forcez pas, les résultats seront quand même là. La clé est la constance. Faites ces exercices 3 fois par semaine et les résultats seront spectaculaires. Si vous les combinez bien sûr avec une alimentation équilibrée. Je veux bien le croire.
Tu veux dire qu'on peut manger plus? Oui, en quelque sorte, on peut manger plus. Mais ça ne veut pas dire se goinfrer. Ah bon? Alors, vous pouvez manger plus, mais sainement. Vous voyez déjà prendre une double ration de gâteau, moi. Bien, maintenant, on va allonger la jambe droite, le pied est à l'extérieur et le talon reste dans l'alignement des orteils. Amenez bien cette jambe à l'arrière, ne creusez pas le dos, contrôlez le mouvement. Et cet exercice fait travailler le moyen fessier qui est sur le côté des fesses, pratiquement à la hauteur de vos hanches. Mettez la main, sentez comme il se contracte. Contractez! Rappelez-vous, plus la masse musculaire est importante, plus nous brûlons de calories au repos. Pour 500 g de muscles, 30 à 50 calories sont brûlées. Contre 3 calories pour 500 g de graisse. En effet, alors bien. Allons-y. L'autre côté maintenant. Ça veut dire que si vous avez une masse musculaire suffisante et que vous dormez 8 heures par nuit, vous brûlerez 400 calories. Par nuit ? Juste en dormant? Oui, juste en dormant. On y va? Les abdos sont tenus, les épaules bien droites. Ça va, maman? Je suis. Attention à toi, Cathy. Allez, contractez. Encore, contractez. Ça commence contractez. À faire mal. Bien, un pas derrière la chaise, les avant-bras sur le dossier, tendez la jambe droite, le pied est flex, et on lève, petites impulsions, levez, levez. Ne creusez pas le dos, gardez-le bien plat. Le pied est flex, petites impulsions, contractez. Le mollet travaille aussi? Oui, ça agit aussi dessus. Moi, je dirais que ça agit plutôt dedans. Pensez à contrôler votre mouvement. Ne balancez surtout pas votre jambe, ne la montez pas trop haut. Contractez bien les fessiers, pensez toujours aux muscles que vous travaillez. Contractez, contractez, allez! Bien, changez de jambe. Allez, on lève... Je commence à avoir vraiment chaud. On lève. Ta technique de se concentrer sur un muscle, c'est pas mal, parce que ça permet de mieux le travailler. Là, on travaille... Le grand fessier et le moyen fessier. Ils constituent les côtés et la principale partie de la fesse. Ces exercices vont vraiment vous donner une apparence remontée, si je peux dire. Quand on devient vieux, les fesses s'affaissent et... Alors ces exercices sont là pour éviter ça. Allez, on contracte. T'as l'air de pouvoir faire ça pendant des heures. T'as jamais mal? Moi, j'en peux plus. Bon, ben je continue. Et on termine. On va retourner la chaise et on va faire de petites flexions. On vient mettre les avant-bras sur la chaise et on fléchit. Contractez les fessiers. Le dos reste bien plat. On contracte. C'est un exercice qu'on a plutôt envie de faire chez soi. Et tous ces exercices sont étudiés pour être faits à la maison. Et tu n'es pas forcé d'inviter tout ton quartier. Contractez une dernière fois. Bon, on va s'asseoir sur la serviette. Et mettez-vous le plus près possible de la chaise. Vous placez les deux pieds sur la chaise et vous vous allongez pour prendre une position confortable. Les mains sous les fesses, on lève la jambe droite et on monte. Toujours de petits mouvements. Ne montez pas trop les fesses. N'allez pas trop vite. Concentrez-vous sur votre mouvement. Il est dur, celui-là. Oui. Du même genre que celui des abdos. J'adore. Oui. Tu arrives, maman? Je le fais, en tout cas. Oh, tu exagères, tu as fait beaucoup de progrès. Maman est très assidue. Tu es si nue, Cathy. Et bah toi, par contre. De l'autre côté. Allez, on lève. On lève. Ça va, Mitch? Ça va, j'y arrive. Parfait. Contractez bien.
On n'entend plus personne tout à coup. Concentre. Et toi, Cathy, ça va? Ça va bien, merci. Respirez. Contractez. Même Cathy le trouve dur, celui-là, ça me concerne. Il est dur, mais efficace. Alors? Je retiens surtout efficace. On lève. Ok, maintenant, on va enlever la chaise qui nous embarrasse pour nous installer sur le sol et nous mettre sur nos coudes. Les épaules sont bien hautes, sans creuser le dos, allonger la jambe droite, le pied flex. C'est un exercice en quatre temps. On monte sur le côté, on revient et on descend. On monte sur le côté, on revient et on descend. Veillez à ce que votre corps reste bien droit. Même chose pour les épaules. Je vous rappelle que nous travaillons les grands et moyens fessiers. Enfin, la fesse entière. Le pied flex. C'est très bien. Changez de côté. On fait la même chose. On lève sur le côté, on revient et on descend. Contractez. Tenez vos abdos, dos bien droit, relevez les épaules. Ça te pose vraiment pas de problème. Ça brûle. Oui, moi aussi, je te rassure. Ne touchez pas le sol. Essayez d'arrêter votre pied à 5 cm du sol. Pour pas qu'on se repose? Oui, aussi. Mais c'est surtout pour ne pas se déséquilibrer. Contractez. Si vous avez des difficultés à garder la jambe en l'air, ne forcez surtout pas. Pour tous les exercices, allez à votre rythme. Je vous garantis que vous aurez des résultats si vous êtes constant. Bien, maintenant, on s'allonge à plat ventre. Venez mettre le menton sur les mains, pliez la jambe droite, le pied est flex. On va monter la jambe vers le ciel. Allez, on monte et on contracte les fessiers. Allez, faites comme si vous vouliez atteindre les nuages. Cet exercice vous fait travailler les muscles de jonction entre la jambe et les fesses. C'est bien. Contractez et contractez. Tes petits mouvements sont en train de devenir pour moi un grand moment de ma vie. Oui. Contractez. De l'autre côté. On plie et on pousse. On pousse. Allez, courage, on arrive presque à la fin. Contractez bien. Contractez. Ne pensez pas au chronomètre. Tu parles, il est en face de nous. Comment tu veux qu'on fasse autrement? Cathy, le temps passe vite avec toi, voyons. Contractez, faites travailler ces muscles. Vous êtes dans la dernière ligne droite. D'accord, on y va. Allez, contractez. On lève, on contracte les fessiers. Le pied est toujours flex et poussez fort vers le ciel. Encore quelques-uns. C'est fini, on étire. Excellent. On s'étire une dernière fois. Vous avez été très bien. On a fini tout le programme des fessiers. Maintenant, on va attaquer les cuisses. Je suis sûre que vous allez nous suivre. Et vous, vous êtes prêts? Ouais. Les cuisses. Pour cette série d'exercices, nous allons encore avoir besoin de la serviette éponge et de la chaise. Nous allons donc nous occuper de nos cuisses et rappelez-vous que 12 minutes par jour suffisent pour faire partir cette cellulite. Prêt? Alors on y va! Les mains viennent sur le dossier de la chaise, on va fléchir et lever. Allez, on descend et on lève. Vos épaules restent dans l'axe du corps. Ne vous penchez pas, le dos reste bien droit. On fléchit et on lève. Cet exercice nous fait travailler le dessus et l'intérieur des cuisses. C'est pile où je le sens. C'est vrai? C'est bon, on a bien suivi. On expire quand on descend? Oui, bien respirer est très important. T'expires quand tu fléchis. Ah, ça aide pour remonter. Il faut prendre la cadence. Oui,
Serrez bien vos abdominaux, gardez vos épaules droites. On change de côté, on lève. Allez. Ah, je l'aime bien celui-là. Et quand vous progresserez, ajoutez des poids pour plus de résistance. Et pour ceux qui commencent, surtout ne forcez pas. À la longue, vous aurez les mêmes résultats. Souvenez-vous, c'est la constance qui compte. Alors, je préconise ces exercices au moins 3 fois par semaine. L'autre jambe, en fait, est comme un ressort. Oui, l'autre jambe doit rester souple. Elle vous sert à maintenir votre dos. Il est bien celui-là. Bien, nous allons nous mettre sur le côté de la chaise pour faire quelques extensions. On met la main sous la cuisse pour servir de support. Allez, on détend et on plie. Ne bloquez pas cette jambe, elle doit se plier et s'étendre toute seule. Cet exercice agit sur le dessus de la cuisse. Je deviens bon, c'est là où j'ai mal. J'ai eu un accident de ski il y a quelque temps. Et on m'a opéré 2 fois du genou. Évidemment, une rééducation s'impose dans ces cas-là et cet exercice en faisait partie. Il est sans danger et il est idéal pour reconstituer les muscles qu'il y a autour. Il faut encore serrer les abdos, je suppose ? Toujours. Les abdos sont serrés, le dos est droit ainsi que les épaules. Allez, on change. Alors, vous avez toujours votre chaise comme support et vous avez une main qui maintient la jambe qui travaille. Vous pouvez visualiser votre muscle qui travaille en plaçant la main sur le dessus de la cuisse, comme pour les autres exercices. Et c'est là qu'on se casse la figure. Ça marche, j'ai compris. J'y arrive. On dirait. Concentrez-vous sur le mouvement. Non. Sentez bien le mouvement. Bien, on va rester debout derrière notre chaise et du bout des doigts, vous tenez le dossier et on monte la jambe par petites impulsions. On garde bien, c'est pour moi. Tout spécialement, oui. Ah, t'en as de la chance. Le mouvement est rapide. Assurez-vous que les épaules sont droites. Tenez votre dos. Restez le plus possible dans l'axe du corps. Ne penchez pas trop. Ces exercices doivent être liés à une alimentation saine. Pour une forme idéale, il est important d'avoir une nourriture saine et équilibrée pour vous aider à obtenir des résultats plus rapides. Adieu les bons petits plats cuisinés de ma grand-mère. Levez, levez. Bien, de l'autre côté. On monte, on baisse, on fait travailler. Vous savez que la cellulite, c'est juste de la graisse qui reste sous la peau. Elle est prisonnière dans les fibres et les tissus. C'est ce qui donne cette apparence disgracieuse de peau d'orange. Mais on va arranger ça. Ces exercices vous seront d'un grand secours. Combinés avec une alimentation faible en graisse, ils pourront vous aider à l'éliminer. L'aérobic est aussi excellent, comme on l'a vu dans ma première cassette Total Fitness, où on faisait cet entraînement. Ah oui, je m'en souviens. Je vous assure que l'exercice physique, une vie saine, une alimentation correcte vous permettent de chasser cette cellulite. Et beaucoup d'eau, hein, il faut boire beaucoup d'eau. Bien sûr, il faut boire. Boire de l'eau doit faire partie de vos habitudes. À chaque pause, buvez un verre d'eau. Bien, on va se mettre à côté de la chaise. Prenez votre appui. Fente avant, on descend et on monte. Vous devez faire de petits mouvements. Le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. La jambe avant supporte le poids du corps. Et la jambe arrière n'est là que pour garder l'équilibre. Concentrez-vous sur le mouvement. Là, ça tire dans la cuisse. Hein. Ça fait mal. Continuez, c'est bien. Faites de petits mouvements. Tenez bien votre dos et contractez les muscles. On passe à l'autre jambe. Ah oui, c'est vrai, on en a 2. Eh oui, ça vaut mieux si tu veux être symétrique. Vous pouvez faire comme André, lever la jambe arrière. Consacrez-y tous les jours 12 minutes. Ayez une constance dans les exercices et vous obtiendrez des résultats en 4 ou 6 semaines. Cathy, quand tu remontes,
La jambe, tu ne l'attends pas complètement? Non, tu ne dois pas la bloquer, elle doit rester détendue. Ne forcez pas, le genou est souple, il n'y a que la cuisse qui se contracte. Comme ça? Bien, oui. Abdos serrés, les épaules et le dos droit. Et n'oubliez pas de respirer. Ça paraît compliqué, mais c'est juste une question d'habitude. Bon, poussez un petit peu la chaise et maintenant vous allez vous allonger sur la serviette, sur le dos cette fois. Vous prenez appui sur les avant-bras et vous allez plier une jambe, genou légèrement à l'extérieur, le pied est flex. On pousse et on ramène. Là, on agit sur les abducteurs qui sont sur la partie interne de la cuisse. Cette zone tend à être un peu flasque si vous ne la travaillez pas assez. C'est charmant. C'est pas flasque, on est juste un peu potelé. C'est un peu mignon. Ces exercices vous aideront à avoir des jambes bien modelées. Mais surtout, la pleine forme n'apporte que des bénéfices, vous verrez. Vous aurez plus confiance en vous, vous aborderez les choses différemment et plus personne ne vous ennuiera avec vos jambes potelées. On change de côté? Allez, on pousse et on ramène. On contracte le muscle? Oui, on contracte le muscle. Vous devez sentir ce muscle, concentrez-vous sur le mouvement. Pensez vraiment à ce que vous faites. Gardez bien le pied flex et on pousse, on contracte. Ne forcez pas sur l'extension de la jambe. Bien! Comment ça se passe? Ça va? Nous, très bien. On fait déjà des progrès. Oui, je suis content, ça marche bien. Bien. Poussez! On va s'allonger sur le côté maintenant. Bien, on va plier la jambe pour basculer les hanches vers l'avant et placer la main à la hauteur de la poitrine. L'autre jambe est bien tendue, on lève et on descend. On lève, on descend encore. On travaille la cuisse interne. Je ne le connaissais pas celui-là. Concentrez-vous. Ouais. Pourquoi on bascule les hanches? Eh bien parce que la jambe est plus dans l'axe du corps, comme ça tu as une meilleure position. Aidez-vous de la main qui vous sert de support. Maintenant, ramenez les deux jambes ensemble pour faire un angle de 45 degrés. La jambe gauche s'allonge, le pied est flex. On va dessiner un carré. En dessinant ce carré, faites attention de ne pas trop monter. Vous ne devez pas dépasser un angle de 60 degrés. Allez, travaillez ces cuisses internes. On sent que ça chauffe déjà. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ça demande de l'attention. S'il vous plaît, faites-moi de jolis carrés. Oui, d'accord. Pas de cercle. Faites attention aux mouvements. Travaillez à fond vos muscles. Parfait, allongez la jambe, vos hanches sont toujours bien en avant. On plie et on étire. On étire, on plie. Vous travaillez la cuisse interne. Ça travaille. Et souvenez-vous que plus la masse musculaire est importante, plus vous brûlez de calories. Quand vous vous reposez, quand vous dormez, votre corps brûle des calories. C'est formidable. Il travaille et vous, vous dormez. Hey, c'est super. Pas mal. Ça peut être une motivation supplémentaire. Ça change vraiment la structure de votre corps. Eh oui, les muscles d'abord. Alors, travaillons. Bien, on change de côté. Souvenez-vous, on allonge une jambe, les hanches basculent et vous avez une main qui vous sert de support. Tendez bien la jambe gauche. On lève, on descend. On lève et on descend. Tu peux le faire en regardant la télé? Parfaitement. Alors fais-le en regardant la cassette. C'est vrai, ça. On travaille toujours la cuisse interne. Avec ça, vous allez avoir des cuisses superbes. J'espère. Une des choses que j'aime dans ces exercices, c'est l'endurance que ça me donne. J'aime les sports et ça me permet
de les pratiquer en y prenant beaucoup de plaisir. Bon, maintenant, pliez les jambes, on va faire un angle de 45 degrés. Allongez la jambe, le pied flex et on monte pour faire un carré. Faites-moi un beau carré. On travaille la zone externe de la cuisse. Si vous faites bien ce programme, vos jambes seront magnifiques. Vous apprécierez les résultats. Comment ça va, Barbara? Oh, je m'accroche. Oh, bon, on est deux. Vous savez que maman court tous les jours. Elle a beaucoup d'endurance. Et maintenant, l'autre jambe. Vous l'étirez, puis vous la fléchissez en arrière. Et vous revenez. Souvenez-vous de ne pas forcer sur l'extension de votre jambe. Ce n'est pas grave si vous posez le pied sur le sol, mais attention au dos quand vous remontez. Je dis ça pour ceux qui ont peur de se brûler sur la moquette. Levez si c'est plus confortable pour vous. Concentrez-vous sur le travail de vos muscles. Ok, félicitations, c'est fini. Bon travail. On se sent bien. Bravo, merci. Je suis vraiment fière de vous. Et maintenant, on va se détendre. Il est très important de vous relaxer après vos exercices pour vous éviter des douleurs musculaires. Relaxation. Bien, vos jambes sont allongées. Nous allons faire un étirement total du corps. Étirez-vous, allongez-vous, expirez. Encore. Bien, expirez, ramenez les genoux et amenez la poitrine vers l'avant. On étire. Ça doit être un joli et doux étirement. Pas de précipitation, c'est lent et régulier. Allongez la jambe droite en amenant la poitrine vers cette jambe. Étirez. En étirant le bas du dos, vous détendez le haut du corps sur votre jambe. Bien, croisez votre jambe par-dessus l'autre, on fait une rotation de la taille. Regardez derrière, par-dessus l'épaule. Serrez bien les abdominaux, étirez le bas du dos. On allonge la jambe gauche et on se penche en avant. Surtout, n'arrondissez pas le dos, ne vous penchez pas trop. Le dos doit rester bien plat, c'est très important, d'accord ? Oui, beaucoup de gens font comme s'ils voulaient toucher leurs orteils avec leur tête. On croise l'autre jambe, rotation de la taille, serrez les abdominaux, les épaules sont droites, étirez bien le bas du dos. C'est excellent. Parfait, maintenant, on vient s'allonger sur le côté. On amène le talon contre les fesses, on va étirer le dessus des cuisses. Assurez-vous que vos cuisses sont l'une contre l'autre. On s'allonge sur le dos, le genou va venir vers la poitrine. Videz-vous bien, on allonge, on étire vers le haut. Allongez le pied suffisamment pour éviter que le mollet soit trop tendu. Ramenez doucement la jambe, vous gardez cette position et vous basculez. Attention à vos épaules, elles doivent être plaquées au sol. Et on étire le bas du dos. L'autre côté. On s'allonge, on amène le talon, on étire bien le dessus des cuisses. On revient sur le dos, pliez la jambe droite vers la poitrine. Bien, allongez, étirez, ramenez la jambe vers vous doucement. Si votre jambe tremble, c'est que vous avez atteint votre limite. Gardez la position et basculez. Vos épaules sont plaquées au sol. C'est pas facile à faire, ça. Vous devez sentir l'étirement jusqu'au milieu du dos. Les deux genoux vers la poitrine et on étire le bas du dos. Bien. Tout le monde ne fait pas ces exercices de relaxation.
C'est vrai, pourtant ça fait partie de l'entraînement. C'est vraiment important de se détendre pour éviter les courbatures. Maintenant, on étire les jambes et les bras. Allez, grandissez-vous. Allez chercher loin. Allongez-vous autant que vous pouvez. On expire. Ça fait du bien. Je vais m'endormir. C'est la récompense. Félicitations, fin du programme. Vous avez fait du bon travail tous. Merci. Super. Vous aussi, félicitations. Maintenant que vous avez terminé ce programme d'exercice, vous devez vraiment être en pleine forme. Mais vous devez continuer, car le programme que je propose vous fera progresser et vous vous sentirez de mieux en mieux. C'est important. Votre regard sur vous-même aura changé et vous contrôlerez beaucoup mieux votre vie et votre corps, ce qui vous donnera un sentiment de liberté. Alors pour votre bien-être, on se retrouve dans 48 heures, d'accord ? Encore bravo. Ouais. Vous avez vraiment bien travaillé. Non, sincèrement.